Sans oublier l'acteur-producer Brian Peck et le réalisateur Victor Salva qui, préparez-vous, sa fesse, ont été réembauchés par Disney après avoir violé des enfants du plateau sur lequel ils travaillaient. Hey, c'est pas drôle. Hein? Non, mais sans faire, c'est carrément débile. Indéniablement débile. Puis le pire, c'est que je les ai même pas nommés. Hein? Alors, pour voir maintenant qu'on sait tout ça, il faut avouer que c'est quand même dur de pas trouver ça weird quand on entend la présidente elle-même de Disney, Carrie Burker, parler de la sexualité de ses propres enfants, puis annoncer tout bonnement vouloir pousser encore plus intensément l'agenda LGBTQIA dans la face des vôtres. Checkez ça. I'm here as a mother of two queer children, actually. One transgender child. And one pansexual child. One of our execs stood up and said, you know, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, oh, it actually is true. We have many, many, many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads.